tous et celles, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes partis en voiture à Lille, à l'Apple Store de Lille, et on va aller chercher le Mac Mini que nous avons commandé enfin. Enfin, on a réussi à le commander. La vidéo de déballage que vous allez voir aussi, hein, c'est un peu pour ça que vous la voyez cette vidéo. C'est une vidéo de déballage du Mac Mini et peut-être même premier démarrage. Pourquoi je dis peut-être? Tout simplement parce que c'est lui, cet énergumène là, qui va faire la vidéo. Voilà, et en fait, je vais simplement reprendre ces rushs vidéo pour poster sur ma chaîne YouTube. Si ça, ça s'appelle pas de la rentabilité, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, vive la France, on est parti parce qu'on est déjà à la bourre. Il fait 16 degrés à l'extérieur, j'ai ma climatisation à 21,5. Petit hommage à Nicolas Hulot, le regretté, qui serait là me tuerait, je pense. Voilà, bonjour Nicolas. C'est honteux. Alors, je vais continuer à ouvrir ici, donc c'est juste le petit blister à enlever, hein. Rien d'intéressant, rien d'incroyable et rien de fou. Alors, au niveau de la boîte, on a Mac Mini ici. Là, on n'a rien. On a Mac Mini de nouveau derrière. Et là, on n'a rien. Au-dessus, on a le visuel de la bête, du Mac Mini. C'est long, hein. Voilà. Oh, c'est beau, regardez ça. Il y a un petit plastique au-dessus, là, effet mat, qui est du plus bel effet. La boîte, enfin, le couvercle, me semble, vous voyez, on a mieux sur les iPhones. Là, bizarrement, est-ce que c'est parce que c'est une grande boîte, donc du coup, c'est pas très rigide, en fait, par rapport à ce qu'on a pu déjà connaître. Et la bestiole, on a un petit, une petite tirette ici, hop, qu'on vient pour choper l'ordinateur, et hop là, on enlève l'ordinateur. Alors, on va le mettre juste à côté. On va déjà regarder ce qu'il y a. Putain, le bruit! Le petit design est de Apple in California qui va contenir juste en dessous le A. Ah, c'est un câble noir. Alors, noir, pourquoi? Parce que l'arrière du Mac Mini qu'on verra juste après, il est noir, justement. Donc, on a le câble d'alimentation et rien d'autre. Les petites documentations avec, comme d'habitude, ici à l'arrière, donc l'autocollant, apparemment, il n'y en a qu'un Apple. Et, en fait, toutes les notices, les guides de démarrage rapide avec Mac Mini, je vais pas les sortir volontairement, je vais les laisser dans la boîte, voilà, qui explique le fonctionnement à l'intérieur là de macOS, etc. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur l'environnement Mac. Et maintenant le Mac Mini en lui-même, donc il y a son petit papier tout autour, on va essayer de pas le faire tomber, le pied ici noir, et comme je vous disais juste avant, l'arrière du Mac Mini, ah on le voit pas ici, mais il est de couleur noire, il y a un petit film au-dessus des ports. Ce qu'on va faire, on va juste regarder. On va, il y a une tirette ici. On va juste, comment ça marche? Ah, c'est collé, les coquins. En fait, j'ai envie de le déballer proprement. Comme ça, le jour où quelqu'un voudrait me le racheter, eh bien, c'est propre. On va juste l'ouvrir, voilà. On va juste l'ouvrir ici, en haut. Tac. Et ouvrir cette partie-là, si on y arrive. Vous voyez, sans tout décoller. Comme ça, le jour de la revente, eh ben, je peux remettre le plastique et l'emballage et très propre. Ah, déjà un petit coup ici, non? Ah non, c'est la loupiote. Ok. La petite loupiote de fonctionnement ici. On va le glisser gentiment. Hop. Le plastique, on va le foutre sur le côté. Et voici donc le Mac Mini. Donc, il est tout en aluminium. Je laisse mes traces de doigts. Il fait son point, hein, étonnamment. Donc, il sera utilisé de ce sens-là, en fait. Vous voyez? Avec les ports qui sont à l'arrière, qui sont juste ici, vous voyez, derrière. On va enlever le petit film de protection qui s'enlève, hop là, par ici. Hop, on tire gentiment. Et ça vient tout seul. Nyeh. Au niveau de la connectique, on a donc tout à gauche, ici, l'alimentation, avec le bouton power, marche arrêt, le port Ethernet, qui n'est pas en 10 gigabits, c'est juste un 1 gigabit classique, deux ports USB-C Thunderbolt, un port HDMI et deux ports USB-A classique, et une prise mini jack 3,5 mm, ou bien c'est une combo? Non, non, c'est qu'une sortie de jack. Il y a encore un, ouah, c'est écrit Mac Mini ici en dessous. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est mat, c'est magnifique. Et tous les petits machins européens qui sont obligés de mettre. Je pense que sur le modèle américain, ça n'y est pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va brancher la bestiole, à l'HDMI, le brancher à l'alimentation, sortir clavier souris, et puis bah on est parti, démarrage. Oh, ça démarre. Mais alors, je sais pas ce que ça fait avec l'écran. Hein. A-t-on un affichage, Jamy? Il y a des enceintes intégrées au Mac Mini, mais alors elles sont pas folles du tout. Hein. On a entendu le dong de démarrage.
qui d'ailleurs est de retour sur les Mac. Oh, ça va vite! Paf! Ouais, je sais, ouais, ça va vite, ouais. Enfin, alors, le secret, là, le secret de montage, hein, le secret de la cuisine provençale, c'est que cette vidéo a été réalisée un petit peu avant, il n'y a pas eu d'outro trop, en fait, qui a été faite. Du coup, je l'ai fait moi-même, voilà. C'était donc une vidéo que mon frère a tournée, hein. Vous pouvez aller la voir en entier sur sa chaîne YouTube, qui est dans la description. Puisque là, il n'y a pas tout, il y a juste le déballage et le premier démarrage. Mais il a fait un peu plus la configuration complète. Et il a fait une outro au propre. Donc si vous voulez aller voir ça, c'est sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à le suivre lui aussi. Parce que il a moitié moins d'abonnés que moi. Et ce serait cool qu'il arrive aussi à 2000 abonnés un jour. Merci pour votre fidélité et votre compréhension. Je vais finir par bosser à SNCF. Je vais finir par y arriver, c'est sûr. Du coup, c'était Seb. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. C'est ça qui fait avancer la chaîne et qui dit aux algorithmes de YouTube « Hey, cette vidéo, elle est bien, t'as vu, c'est cool, on adore. » N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tout est dans la description. J'ai une chaîne Twitch aussi, hein. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. Tous les dimanches à 18h, je fais un live, donc venez me voir sur Twitch. C'est dans la description aussi, hein, la chaîne Twitch, de toute façon. Tous les dimanches à 18h, je fais un live et je suis avec vous jusqu'à à peu près 19h tous les dimanches. Voilà, c'était Seb, je vous souhaite de passer une bonne semaine, à la semaine prochaine. Dimanche 11h ici sur YouTube pour la vidéo enregistrée et dimanche 18h en live sur Twitch pour le live, tout simplement. Voilà, des bisous, ciao, bye, c'est bien.